Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode 19 des couleurs classes sur GTA 5. On approche très très rapidement de l'épisode 20, donc qui sera l'épisode un peu bonus qui aura lieu mardi prochain. Donc cet épisode regroupera tout simplement les 10 meilleures couleurs, mes 10 précédentes meilleures couleurs que vous avez choisies. Donc c'est pour ça que je vous invite à voter dans l'espace commentaire pour la couleur qui vous plaît. Donc vous votez, vous likez le commentaire avec la couleur. Donc pour cet épisode j'ai 3 couleurs à vous présenter. Donc la couleur cerise, donc une couleur qui a été trouvée par Skint. Je te fais une petite dédicace, il y a la couleur Venger. Je ne sais pas comment l'appeler, mais bon, c'est pas très grave, on va l'appeler la couleur Venger. Et tout simplement, la couleur surfeur d'argent qui a été trouvée par moi-même. Donc la couleur que je possède actuellement sur ma voiture. Donc je sais qu'il n'y a pas de jaune sur la voiture, mais je trouve qu'avec du jaune, ça rend mieux. Après, vous pouvez très bien mettre du chrome ou alors vous mettez du gris afin que ça fasse vraiment couleur surfeur d'argent. Du coup, voilà, donc on va tout simplement se rendre au Los Santos Custom. Je vais éviter de me bouffer des arbres ou des planches de bois. Et ce sera super. En attendant, moi je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc il ne me reste plus que 200 places dans ma liste d'amis sur Facebook. Donc je vous conseille de m'ajouter très rapidement. Après, il vous suffira tout simplement de vous abonner à mon compte. Donc il reste plus que 200 places. On vient de passer le cap des 2000 membres, des 5000 membres sur le groupe. Je vous remercie. Et je vous invite aussi à rejoindre la chaîne 100% course qui se trouvera en annotation et dans la description. Donc on va tout simplement rentrer dans le Los Santos Custom. Comme à chaque couleur, vous avez à peu près l'habitude. Donc on va recustomiser la voiture en, tout simplement en noir comme d'habitude. Hop, peinture, métallisé noir et métallisé noir. Donc on va tout simplement commencer avec la fameuse couleur cerise. Donc la couleur cerise qui a été trouvée par Skint. Donc vous allez vous rendre dans la couleur métallisée et vous allez tout simplement chercher la couleur rouge carbonée. Une fois cette couleur prise, vous allez tout simplement vous rendre dans métallisé et vous allez tout simplement mettre soit la couleur crème ou alors moi ce que mon abonné m'a proposé, c'est tout simplement de mettre la couleur saumon qui se trouve juste ici. Et après vous avez votre fameuse couleur cerise, mais ce n'est pas fini. Vous allez vous rendre dans couleur secondaire et mettre tout simplement un blanc mat ou la couleur de votre choix. Et en couleur de jante, vous allez tout simplement mettre un blanc en jante. Donc je sais que beaucoup de personnes gueulent avec les jantes, mais si je mets ces jantes là, c'est tout simplement parce que c'est les plus grosses et c'est ceux qui recouvrent le plus de surface en termes de couleur. Donc du coup c'est pour ça, c'est pas pour l'esthétique hein, mais c'est pour la couleur que je mets ces jantes. Du coup voilà, donc pour la couleur cerise vous voterez tout simplement 1 dans l'espace commentaire. Et on va tout simplement passer à la couleur de Venger pour le moment. Donc vous allez tout simplement vous rendre dans métallisé et aller chercher le mauve spinnaker. Donc une fois ce mauve spinnaker acheté, vous allez tout simplement vous rendre dans nacré, non j'allais dire métallisé, mais non c'est dans nacré. Et vous allez vous rendre dans nacré et vous allez tout simplement prendre le rouge formula. Donc ça fait un effet sombre et rosé en même temps. Et en couleur secondaire, vous allez tout simplement prendre du mat et vous allez y mettre soit un what the fuck. Alors soit vous y mettez un mauve et ça fait un rouge très très foncé, ou alors vous décidez d'y mettre un rouge foncé comme celui-ci. Moi pour la vidéo je vais tout simplement mettre un rouge foncé. Et pour la couleur des jantes, vous allez tout simplement vous rendre dans la couleur des jantes et mettre un petit rouge tout simple. Vous mettez le rouge simple, c'est le plus clair, c'est le plus beau, c'est le plus style. Et vous voterez 2 dans l'espace commentaire pour la couleur de Venger. Et maintenant on va pousser à la meilleure couleur qui a été trouvée par moi-même. Je sais que je me vante, mais c'est pas très grave. Donc vous allez vous rendre dans métallisé et vous allez chercher la couleur argent béton. Une fois cette couleur argent béton trouvée et achetée, vous allez tout simplement mettre un blanc glacier dessus et non pas un blanc givré. Ne faites pas la même erreur. Ne faites pas l'erreur, vous mettez un blanc glacier. Et après en couleur secondaire, donc vous avez le choix, soit vous mettez du mat. Ce que je vais faire, vous mettez du mat jaune ou alors vous mettez du métallisé. Mais personnellement je vous conseille de mettre le tout simplement mettre du mat. Et après pour la couleur de jante, c'est vraiment très très simple. Vous allez tout simplement mettre du jaune
Bah, orange vif, non, c'est pas ça. Jaune, on a dit jaune. Donc voilà, vous mettez du jaune racing et après vous avez votre fameuse couleur. Donc pour cette couleur, vous voterez 3 dans l'espace commentaire. Et du coup, on arrive déjà à la fin de cet épisode. L'épisode 20 bonus arrive la semaine prochaine. Venger et moi, nous, on vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. Vous verrez, je vous ferai une petite vidéo, une petite annonce sur Facebook et Twitter. Donc je vous invite vraiment à me suivre. Et du coup, déjà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne, partager cette couleur et cette vidéo sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent à leur tour avoir des couleurs vraiment magnifiques sur leur voiture. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.